sans doute plus que d'actualité. Et donc, j'imagine et je comprends l'intérêt de beaucoup d'entre vous pour ce sujet. Alors, j'ai choisi d'abord de traiter de trois thématiques différentes. On va les reprendre dans cette présentation. D'abord, on va traiter un petit peu de l'aspect de la relation entre la banque et la crise. Pour ensuite voir les principes qui permettent à l'économie islamique de résister aux fluctuations qui ont touché les économies conventionnelles. Et enfin, on va essayer de voir les, disons, la vision qu'il y a derrière l'économie islamique et le système financier islamique. C'est une chose qui me semble très souvent occultée. D'abord, j'encourage ceux qui sont intéressés par ce thème à travailler dessus, à poursuivre la recherche dessus, parce que c'est un thème d'avenir, beaucoup de débouchés dans le futur. Comme l'a dit M. Bourif, le ministre. Pour la première chose, on ne va pas s'attarder sur la crise. Tout le monde, enfin beaucoup d'entre vous, savent que ce sont des éléments spéculatifs qui ont conduit à la crise économique, les produits dérivés et tout ce qui s'ensuit. J'ai envie d'insister sur une autre cause majeure de la crise économique qui est celle de la création monétaire. Et pour ça, je vais reprendre une citation de Ford qui m'est très chère, mais enfin bon, très chère parce qu'elle révèle un petit peu l'esprit de ce système. Quand il disait, Henry Ford, donc, le père fondateur de la maison de voiture Ford, tant mieux si les gens ne comprennent rien au fonctionnement de notre système bancaire et monétaire, parce que s'ils y voyaient clair, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain. Donc, pour essayer de comprendre rapidement qu'est-ce qui a poussé cet homme d'affaires à dire cela, on va essayer de comprendre la raison, si vous voulez, la raison même du fonctionnement dans le système actuel. Comment ça se passe? Ça a commencé, disons, au Moyen-Âge, avec le système des orfèvres. Les orfèvres, c'est les moutons, si vous voulez. Donc les orfèvres, il avait des coffres. Hein, l'orfèvre, il avait des coffres. Et il louait ces coffres pour les gens pour qu'ils puissent déposer leur or, leur argent. Et donc, pour leur permettre de garder ça en lieu sûr. En contrepartie, les gens payaient un loyer, ce qui est sans doute assez justifiable. Ce qui a marqué notre affaire de tous les affaires, c'est que les gens retiraient très peu leurs dépôts. Donc, les individus qui composaient cette société déposaient leur argent, mais ne le retiraient que très très peu. Quand ils voulaient faire un achat majeur, par exemple, une maison, un investissement majeur, mais sinon, là, ils restaient là. Donc, une partie de cette loi. Donc là commence un petit souci déjà, c'est qu'il utilise l'argent d'autrui sans son autorisation. Donc notre orfèvre a commencé à prêter une partie de l'or. Il prêtait l'or sous forme de bon. Des bons, comme le chef aujourd'hui, donc, il disait dans un bon, vous avez un grain d'or, vous avez 10 grains d'or, vous avez des bons. Et donc il prêtait. Qu'est-ce qu'il recevait en retour? L'intérêt. Donc non seulement il percevait son loyer pour la protection de l'or, mais en plus il percevait l'intérêt. Donc il s'est enrichi. Les gens se sont posé des questions. Alors, ils se sont dit, comment ça s'enrichir un petit peu pour rapidement. Ils sont allés voir l'affaire pour voir si le roi n'était pas en train de manger le roi. En fait, il s'est rendu compte, les gens se sont rendus compte que bon, l'or il était toujours dans les coffres. Ce qui se passait, c'est que les gens utilisaient les bons pour faire leurs transactions. Donc au lieu de venir chez l'orfèvre, remettre le bon, prendre 10 grammes d'or et aller effectuer son achat, on donnait directement le bon. Pourquoi? Parce qu'on avait une certaine confiance dans l'orfèvre. Donc les bons commençaient à circuler et l'or était toujours dans les coffres. Donc l'orfèvre s'est rendu compte
que même s'il prêtait, donc disons qu'il a par exemple 100 kg d'or, que même s'il prêtait 100 kg d'or sous forme de bon, eh bien 100 kg, la grande majorité de 100 kg d'or restait là et les bons circulaient. Alors il a eu une idée un petit peu encore plus malicieuse. C'est, il s'est dit pourquoi ne pas créer plus de bons que ce que je mets en stock. Alors il a commencé à, il avait 100 kilos, il a commencé à écrire l'équivalent de 200 kilos d'or, 300 kilos, 400 kilos. Alors vous imaginez, l'intérêt sur 100 kilos, c'est quand même, disons, les 10%, 10 kilos, 10 kilos d'or en plus chaque année, au lieu du loyer qu'il percevait. Maintenant, il perçoit l'intérêt sur 200, 300, 400, 500 kilos. Donc l'intérêt devient 30, 40, 50, 60, 70, c'est mon plan faible. Commence à devenir un petit peu trop riche pour les gens. Et donc les gens ont perdu la confiance dans leur faible. Quand on perd confiance, on va avec notre monde pour prendre notre contrepartie. Alors vous imaginez, s'il y a 500 ou 1000 kg d'or sous forme de bon et seulement 100 kg dans la caisse, si tout le monde se présente, seulement les 10 premiers sont servis et bien d'un premier. Donc, première chose qu'il faut faire sortir de votre tête pour comprendre les causes structurelles de la crise économique, c'est que pour nous, c'est l'État qui crée la monnaie. C'est faux. Ce n'est pas l'État qui crée la monnaie, ce sont les banques. Ce sont les banques qui créent de la monnaie. À chaque fois qu'une banque donne un crédit, elle crée de la monnaie à partir de rien. C'est-à-dire que, imaginons que la masse monétaire actuelle à l'instant T est de 1000 milliards. Quand la banque vous donnera un crédit de 1000 dirhams, eh bien la masse monétaire scripturale sera de 1000 milliards et 1000 dirhams. La contrepartie de ces 1000 dirhams en cash n'existe pas. Elle n'existera que quand vous, vous aurez travaillé et remboursé vos prêts pour poser l'argent dans les coffres de la banque. C'est là seulement où la monnaie existera. Donc, petite question, si je vous pose la question, où se trouve votre argent maintenant? Vous n'avez pas répondu à la banque. Voilà, les taux. Il est créé, les taux, il est donné sous forme de crédit, d'investissement à la bourse, dans la spéculation. Seulement, il faut participer dans la banque. Donc, on va prendre un exemple pratique et essayer de faire vite pour comprendre comment ça se passe. Imaginons que la banque a 1 million de dollars. Maintenant, on va expliquer la crise des subprimes aux États-Unis de manière assez caricaturale pour vous permettre d'avancer. La banque a 1 million de dollars. Il y a 10 clients qui viennent chez elle. Alors, il faut vous dire qu'en 2007, le marché américain était plutôt saturé. Parce que la banque a créé des prêts aux gens qui sont aisés, aux gens dignes de confiance, aux gens qui ont une situation qui leur permettra d'en bourser. Mais comme ce marché qu'on appelle de type A, B est saturé, on va chercher des clients de type C, des chômeurs, des gens qui ont un emploi à temps partiel et qui pourront probablement en bourser. Donc, la banque, elle a 1 million de dollars. Elle accepte 10 dossiers pour prêter à chaque client 1 million de dollars. Donc elle a prêté au total 10 millions de dollars pour 1 million de dollars de cash qu'elle possède. Donc le prêt total, il est à 10 millions de dollars. Donc il y a 9 millions qui n'existent pas. Okay. Certains vont vous dire comment ça se passe. Ben, c'est simple. Votre banque, si elle vous donne un relevé bancaire avec 8 dirhams dessus à la fin du mois, si elle vous prête 1 million de dirhams, le mois d'après, vous écrira 1 million et 8 dirhams. D'accord ? Elle n'est pas allée chercher le cash. Donc, prévoyons 25% de remboursement avec des intérêts. Donc, sur les 10 millions de dollars, la banque prévoit de récupérer 12 millions et demi. Jusque-là, et je suis gentil parce qu'en général, les banques récupèrent entre 35 et 200% d'intérêts, le taux effectif. Donc, maintenant, puisque les clients ne sont pas très solvables, 2 remboursent et 8 ne remboursent pas. Qu'est-ce qui se passe? La banque récupère 2 millions et demi de dollars. Le problème, c'est qu'elle a prêté 10 millions. Donc elle a retrouvé 7 millions et demi. On est d'accord. Elle avait déjà 1 million. Les gens qui ont acheté des maisons avec ces 1 million de dollars, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont subir? Ils vont voir leur maison saisie. D'accord. Donc la maison va être saisie. La banque va saisir 8 maisons. Disons que le prix des maisons a baissé de 50%. Et encore, je suis gentil parce que c'était plus. Donc elle va vendre à combien la maison? 500 000. 500 000 sur 8 maisons, ça fait 4 millions de dollars. 4 millions de dollars,
aussi lui manque 3,5 millions de dollars. Donc elle fait faillite. Ce qui est arrivé par exemple à plusieurs banques. En Angleterre, il y a eu le Fonds de Trump, aux États-Unis, il y a eu Lehman Brothers, qui est plutôt orienté sur l'investissement, etc. etc. Donc, ce qu'il faut savoir pour synthétiser, c'est qu'aujourd'hui, avec les accords de Bâle III, on a 10% de garantie en tant que banque. C'est-à-dire que la banque, elle prête à elle avoir jusqu'à 10 fois plus d'argent que la banque. La première fois qu'une banque a une autorisation de prêter plus d'argent que ce qu'elle avait, ça remonte à 1698. Le roi d'Angleterre a donné l'autorisation signée à la banque d'Angleterre de pouvoir émettre deux fois plus de bons que l'équivalent en cash ou en or qu'elle avait. D'accord ? Alors, si on voit ça d'un point de vue politique, il est très probable que le roi ait reçu des rétro-commissions ou bien des faveurs de la part de la banque pour qu'il force le bon. Maintenant, si tout le monde se pointe pour retirer son argent, ce qui arrive en temps de ça a eu lieu principalement en Angleterre, c'était sur Northern Rock. Il y a eu des fuites, donc quoi, peut-être Northern Rock n'aurait pas assez de liquidités. Tout le monde s'est rué vers les guichets pour retirer. Résultat des bourses. C'est un modèle réel. On ne parle pas de théorie, là, c'est la réalité. Les gens n'ont pas trouvé leur argent. Pourquoi ? Parce que tout simplement n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société mondaine. D'accord ? Donc, j'ai relevé pour vous rapidement trois paroles qui me paraissent assez révélatrices. Le processus par lequel les banques créent de l'argent est si simple que l'esprit résiste à y croire. C'est trop simple. C'est pas normal. C'est John Kenneth Galbraith, prix Nobel d'économie, qui a dit ça. Citation, c'est une citation d'un grand banquier très connu, c'est Rothschild. Il disait « Donnez-moi le droit d'émettre et de contrôler l'argent d'une nation, et alors, peu importe qui fait ses votes. » La dernière, et pas des moindres, c'est la citation de celui qui a été directeur de la Banque d'Angleterre entre 1928 et 1941. « Le système bancaire moderne fabrique de l'argent à partir de rien. Ce processus est sans doute le système de passe-passe le plus étonnant jamais inventé. » Donc, pour récapituler les principaux facteurs de la crise financière, tout autour de deux éléments. D'abord, le processus de création monétaire. Et deuxièmement, la spéculation. Donc, je ne me suis pas attardé sur la spéculation parce que je suppose que ce sont des choses qui sont connues à travers les journaux, etc. D'accord ? Si vous avez des questions à l'instant, on va en discuter. Alors, pourquoi on entend des gens comme Christine Lagarde dire que la finance islamique présente bien des avantages ? On a un rapport du FMI de 1987. Christine Lagarde, qui est l'ancienne ministre des Finances en France et qui est actuellement directrice du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international disait en 1987 que le système de Moucha Lagan est plus stable que celui qui est basé sur l'intérêt. Pourquoi cette étude ? Donc, d'après mes modestes recherches, il y a en somme, pour regrouper les facteurs de résistance à la crise en 10 facteurs. 10 facteurs qui permettent la résistance à la crise. Premier facteur dans la finance islamique qui permet la résistance à la crise, c'est bien entendu l'intérêt. D'accord ? L'intérêt, le riba, la rida, l'usure, l'intérêt, on peut le nommer de toute la manière que l'on veut. Bien sûr, vous aurez toujours des modernistes qui diront non, l'intérêt, l'usure, c'est le riba, c'est quand le taux dépasse 50%. Mais c'est faux. Enfin, vous lui demandez juste de lire le Coran, faire une tchoum, faire la poum, en gros, c'est un moyen. Donc, si vous prenez de l'usure ou de l'intérêt et que vous vous repentez, qu'est-ce que vous avez le droit de récupérer ? Racine le capital. Donc, tout tirage qui dépasse le capital, libre. Et comme on a dans le hadith, sahih, dirham ou riba yaqulu al mar'u wa huwa ya'lam ashadu 'inda Allah min 36 zanya. Donc riba tout supplément. Alors il y a deux choses, il y a riba al-fard ou riba al-nasab. Riba al-nasab, c'est celui qu'on connaissait, le riba des crédits, c'est-à-dire
L'emprunteur venait chez le créancier, il lui disait, le créancier lui disait, tardi à aujourd'hui. Soit tu rembourses, soit tu rajoutes dans les intérêts. D'accord ? Donc, ça c'est l'ibn al-Fadl, c'est quand il y a six catégories de marchandises, quand on échange de l'or contre de l'or, ou bien de l'argent contre de l'argent. Par exemple, si vous allez échanger du dinar, frappe contre de l'or brut, vous n'avez pas le droit d'échanger un poids différent. C'est interdit. L'or, l'argent et les autres matières premières qui peuvent servir de monnaie comme les dattes, comme dire le blé, comme le mille-mêle. Il a ramené les photos aussi à ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'échanger un quantité supplémentaire. Donc, première chose, premier élément dans ce premier point, qui est un facteur de résistance à la crise, c'est le fait que le commerce de la dette est interdit. On n'a pas le droit, comme on le fait dans les bourses aujourd'hui, de vendre un crédit, d'accord, contre un placement régulier. Aujourd'hui, par exemple, pour diminuer le risque, vous aurez une banque qui va vendre un crédit pour revenir à vos banques. Par exemple, quand elle vous donne le contrat de prêt, vous signez cette feuille. Par exemple, pour un contrat de 1 million de dirhams, cette feuille, elle vaut 1 million de dirhams plus les intérêts moins l'inflation. Donc 1 million de dirhams et 300 000, par exemple. La banque, elle n'a pas envie d'attendre 5 ans ou 10 ans pour vous rembourser. Donc elle prend cette feuille, elle peut la vendre dans la bourse, contre 1 million. Donc si la feuille, elle vaut, si vous allez rembourser au total 1 million 300 000, elle peut la vendre à 1 million 200 000 ou à 1 million 100 000. D'accord ? Donc ça, c'est riba ayn, donc le commerce de la dette. On vend un crédit futur contre des placements réguliers ou bien un placement immédiat. Sauf à sa vraie valeur. Ça, c'est des fois. Par exemple, vous avez un ami qui a contracté une dette et qui a du mal à rembourser ou qui a besoin de cash. Donc, vous payez le cash au créancier, à son créancier, et vous prenez la dette. Vous lui dites, au lieu de le payer, mais au même, à la même valeur passée. D'accord ? Deuxième facteur, c'est l'emprunt à intérêt. Donc l'emprunt à intérêt, c'est un facteur décisif dans la résistance à la crise, et le fait qu'il soit interdit dans la finance islamique, c'est révélateur. L'interdiction, troisième élément, l'image aérienne, l'interdiction de la majoration des pénalités de retard. Dans n'importe quel contrat de leasing ou de prêt, n'importe quel contrat avec une banque, si vous avez du retard dans les versements, on vous applique un supplément de pénalité, dommage. De la fin de ce qu'on veut, c'est donc des dommages intégrés, des pénalités, on cherche beaucoup. L'évitement de l'effet de levier, ça c'est très très important. Pourquoi ? Parce que les banques conventionnelles et les banques d'investissement, les hedge funds, les fonds d'investissement, ils spéculent dans le marché. Donc en temps de croissance, en période de croissance, quand il y a la confiance, le taux d'intérêt, ça a un effet de levier. Certains d'entre vous connaissent l'effet de levier. Rapidement, je vais expliquer. L'effet de levier, c'est quand la banque elle a de l'argent, de la trésorerie, mais le taux d'intérêt est faible. Donc la banque, elle vous dit, au lieu d'utiliser mes fonds propres, qui peuvent avoir un rendement de 15%, si je les investis en interne, je vais prendre un crédit en externe à 50% pour l'investir dans un projet qui va me rapporter 15%. Le différentiel, c'est 10%. Donc, on augmente la masse monétaire, on augmente les prêts pour escompter un revenu futur qui est supérieur. Donc, ça accélère la croissance. Donc, si l'économie permet une croissance de 5%, ou la 4%, ou la 2% d'une manière naturelle, le taux d'intérêt fera qu'on aura une croissance amplifiée à 10%, ou à 8%, ou à 15%. Okay. Par contre, le revers de la main, c'est qu'en temps de crise, le taux d'intérêt, il a un autre rôle. C'est l'effet de massue. C'est comme une massue. C'est-à-dire que vous avez emprunté à 5%, vous pensiez que vous alliez faire un profit de 15%, mais ensuite, avec vous, si vous ne faites pas un profit, là, vous faites des pertes. Donc au lieu que votre argent vous coûte 1000, il vous coûte 1050. Donc le plongeon, le crack boursier est plus
élément, le fait que la banque islamique interdise l'intérêt fait qu'elle s'implique dans le projet. Mouchard, c'est quoi? C'est que la banque, elle vous dit, bon, au lieu de vous donner 1 million de dirhams, vous allez investir, vous donner une hypothèque, que vous perdez, que vous gagnez, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont mes parts, la 100% d'intérêt ou la 50%. La banque islamique, elle n'a pas beaucoup. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous dit, bon, vous avez un projet, on va l'étudier, et si c'est bon, on vous avance une partie du capital, 50, 60, 70, 80, 90, pour investir. Le fait que la banque ait fait ça, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça induit? Ça induit indirectement une meilleure analyse des dossiers, et donc une réorientation plus efficiente de l'argent vers les projets les plus efficaces. D'accord? Et ça, ça fait qu'on n'investit pas dans la construction. On ne doit pas investir dans des projets ou dans des clients qui ne sont pas solvables. Okay. Donc, pour conclure ce premier point, qui est le fait que l'intérêt qui permet de résister à la crise, c'est que l'économie qui est basée sur l'actif, comme une économie islamique, et qui n'est pas basée sur le passif, permet d'avoir plus de stabilité et de solvabilité. L'amplitude des cycles économiques, croissance, décroissance, moindre. Donc, croissance. C'est plus doux, c'est plus souple. Okay. L'économie, donc, c'est pas un modèle économique basé sur l'endettement. Deuxième élément qui permet de résister à la crise, c'est l'argent. L'argent, c'est l'incertitude majeure. Donc, c'est l'incertitude majeure. C'est comme, par exemple, on vend un produit avant qu'il n'existe. Ou là, on vend un produit sur un marché. Ou là, on vend vendre des choses qui ne sont pas encore là, qui sont encore. Là, par exemple, il y a une vidéo, il y a une roulée à Messin, par exemple, il met quelque chose dans un tissu, il vous dit, vous achetez. Tu touches et tu achètes, tu n'as pas le droit de voir. C'est quelque chose qui est pratique. Donc tout ça, c'est interdit. Qu'est-ce que ça induit? Ça induit que l'assurance est interdite. Pourquoi? Parce que l'assurance, on mise, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là-bas. Donc l'assurance, comme on dit, ne jamais faire l'IA, l'assurance conventionnelle est illicite en islam. Parce que le Dara, c'est une interdiction, mais qui n'est pas aussi grande que l'IA. Parce que l'IA, d'être obligé de mettre en point et en rassurer, c'est quelque chose d'effrayant. Si vous lisez dans le Coran, vous avez trouvé une ou deux fois qu'un homme est en train de mettre en point et en rassurer. Riba, Akbar Kadhafi, le Moubiqat. Moubiqat, c'est les péchés qui vous laissent très longtemps pour la violer. Donc, Al-Gharar, c'est une interdiction qui est moindre, mais ça reste interdit. L'assurance commerciale, qu'est-ce qu'elle fait? L'assurance commerciale, elle prend l'argent, et ensuite, si rien ne se passe, elle prend l'argent. S'il y a quelque chose qui se passe, elle vous rembourse avec un surplus selon les valeurs. Donc l'assurance commerciale, qu'est-ce qu'elle fait avec votre argent? Elle a beaucoup d'argent en assurance, comme avant. Elle investit en bourse. Et ça aussi, c'est interdit. C'est un interdit, plus un autre interdit. Un interdit direct, plus un interdit indirect. Elle investit en bourse, dans les banques, dans les produits dérivés, dans les produits qui rapportent le plus, etc. En banque de croissance. Troisième élément qui permet de résister à la crise, c'est le fait qu'on insiste dans la finance islamique sur l'économie réelle. Et pas sur la spéculation et la financiarisation. Quand la banque est impliquée dans un projet comme Président Mouchard, qu'est-ce que ça implique? Si vous avez un souci, la banque laisse faire ce que vous voulez, il va demander un droit de regard sur le projet, sur les produits, sur les contrats industriels, sur les industriels, etc. Donc il y a plus de transparence, il y a plus d'efficience. On valorise le travail par rapport au capital, mais on valorise l'investissement plutôt que la banque. Donc le fait qu'on exclue tout ça, si vous êtes aujourd'hui en bourse, qu'est-ce que vous avez? Les actions, particulièrement, puis les obligations, les pots, les corps, les sorts, les produits dérivés, les trackers, tout le reste. D'accord? Aujourd'hui, en 2012, la valeur des produits dérivés par rapport à la richesse mondiale, les produits dérivés représentent 700 000 milliards de dollars. La richesse mondiale est de 70 000 milliards de dollars. Donc quand on dit éclatement de la bulle, c'est une bulle qui éclate. Quand elle éclate, qu'est-ce qui reste réel? Les
70 000 milliards. Donc tous les 630 000 milliards qui tournaient, c'est bien une condition. Parce que c'est pas réel, c'est pas encore réel, c'est une anticipation de remboursement des chances, etc. Quand on insiste sur l'économie réelle, on n'a pas ces crises. On a des crises de 1%, 2%, 5%. On n'a pas des chutes comme la Grèce, 5 ans de récession. Ça fait 5 ans que le PIB de la Grèce diminue. D'accord ? Donc c'est très très important, l'économie réelle. Quatrième élément, la bonne gouvernance et les comités de supervision. Ça, c'est la colonne vertébrale de la finance islamique. Une banque islamique sans comité de supervision, sans charia, n'est pas une banque islamique. Comme son nom parle, par exemple. Quand vous allez chercher chez la Safa, posez la question, est-ce qu'il y a un comité de supervision qui vous dit que ce contrat est halal, ce contrat est haram, ce projet est halal, ce projet est haram, non. Mais c'est une banque alternative. Comme disait l'un de mes professeurs sur ma pizzerie, c'est une banque alternative. Elle a le droit de dire qu'elle est alternative parce que c'est une alternative à la finance islamique. Pas sympa. Bon, c'est moins mauvais que les autres. Hein. Donc, c'est un pilier de l'existence de la finance islamique. Il faut que ce comité soit indépendant. C'est un pilier de l'existence du comité. Un comité qui n'est pas indépendant, c'est comme un ulama sauvage. Si la banque a un comité et que le comité est payé par la banque, si le comité dit que beaucoup de choses sont haram, normalement, on va remplacer par un comité plus modéré. Hein? Donc, il faut que le comité soit indépendant. Donc, soit comme sous-tend, par exemple, le comité est au-dessus des banques, Sharia Supervision Committee au Soudan, il est au-dessus des banques, c'est-à-dire que si une banque islamique au Soudan, elle fait un projet ou elle fait un nouveau produit, de son cours pour quelque chose et qu'elle gagne de l'argent et que le comité vient après vérification qui lui dit ce produit est illicite, la banque doit rétrocéder tout l'argent. Tous les gains doivent être posés dans des œuvres de charité. Donc c'est un comité super, et c'est comme ça que ça doit être. Donc, mais sinon, dans les autres pays, on a des comités internes dans certains pays. Donc la banque, elle a un comité par exemple comme en Angleterre, et ça n'est même pas en Britain. On a des consultants. Des consultants, et là, directement, on voit que l'indépendance est moindre, parce que, au final, comme dit la Maxime, on est au service de qui nous paye. Donc, si l'aide, il est payé par celui à qui il doit donner la joie, et bien, bonjour, il est libre. Il n'est pas libre. Donc, il faut qu'il soit indépendant. Il faut qu'il y ait une double qualification. Donc, il faut qu'il y ait la qualification économique et la qualification dans la justice. Et ils sont en général assistés par des auditeurs et des comptables internes et des experts comptables externes parce que l'aspect comptable très technique, ça ne relève pas trop du comité. D'accord ? Donc, cinquième élément qui permet de résister à la crise, c'est l'interdiction des produits dérivés et la nécessité d'adosser tout produit à un actif étranger. Ça contrevient à tout produit dérivé, en général, contrevient, c'est-à-dire qu'il est, il contient riba, rabat, ou mais c'est déjà un peu. Donc, par exemple, un produit dérivé de la, les crédits des Volkswagen, qui sont un petit peu ce qu'on a entendu plus dans cette crise, les CDS, c'est le troc de dette à long terme par des cash flows réguliers. Donc ça contient du riba. C'est du maïsiel parce que s'il y a des taux de paiement, on fait appel à l'assurance et il y a le rabat. Donc aujourd'hui, si on prend par exemple une photo de l'instant T d'aujourd'hui de la bourse, on a 21% des produits dérivés qui tournent autour de la dérivée. Ce sont les produits les plus négociés, les échanges de crédit, les produits sur les crédits, les garanties sur les crédits, etc. La majorité des actifs sous-jacents, des produits dérivés en général, n'existent pas encore. Il est interdit en finance islamique de séparer l'actif et le risque sous-jacent. Comme le dit la règle fondamentale de la finance islamique, un ruhn bil ruhn. C'est-à-dire le ruhn, le bénéfice, est lié à le ruhn, au risque. Mais même si le ruhn coûte la ruhn, ce n'est pas possible, c'est islamique. C'est lui. Donc,
L'interdiction des MEC, c'est quoi? C'est les jeux de hasard. Par exemple, aujourd'hui en bourse, vous avez un produit qui s'appelle le tracker. Le tracker, qu'est-ce qu'il traque? En anglais, track, ça veut dire suivre. Qu'est-ce qu'il traque? Un indice. Donc le tracker, c'est un papier, c'est sérène, c'est juste une ligne dans votre, chez votre consultant boursier. Si demain le massif fait plus de pourcents, vous avez plus de pourcents. Si demain le MADEX fait moins de 3% et que vous avez un tracker sur le MADEX, vous avez moins de 3%. C'est de la pure spéculation sur les marchés, sur les. C'est comme des jeux de hasard. Quelqu'un qui réunit des gens et qui leur dit bon, moi je parie sur tel indice, l'autre dit moi je parie sur tel indice. Et au final, c'est qui gagne, c'est celui qui prenait les commissions en charge. C'est lui qui s'en gagne dans l'opération. Donc les tracker, les futures, les warrants, les barons, les forwards, les pools, les calls, les options, les swaps. Donc, les pools, par exemple, vous dites, moi j'ai un droit d'achat sur tel produit l'année prochaine. Par exemple, j'achète un pool qui me donne le droit d'acheter 1000 barils de pétrole le 1er janvier 2013 à 100 $ le baril. C'est un droit. Si le baril de pétrole le 31 décembre 2012 est à 130 €, c'est très intéressant d'exercer mon droit d'achat. Parce que moi, je vais acheter à 130. Si le baril de pétrole est à 90 €, à 80 €, mon call est pour 0. Vous en avez 0. Pourquoi? Parce que qui va venir acheter un produit à 100 €? Donc vous voyez que le produit des risques c'est rien parce qu'il peut arriver à ça. Aujourd'hui, ils ont couronné le tout parce qu'ils ont inventé ce qu'on appelle les swaptions. C'est la fusion entre les swaps et les options. C'est les swaptions. C'est le droit d'achat sur un swap futur. D'accord? Donc c'est le dérivé d'un produit dérivé. Donc tout ça, ça entraîne la spéculation. Ça entraîne. Comme disait Keynes, c'est l'économie. Et encore, du point de Keynes, c'est les produits des résistances. Sixième élément, comment on fait ça qui permet de résister à la crise, l'interdiction de la vente à découvert. Alors, je pense que c'est un peu ça. La vente à découvert, c'est un marché de niche pour les boursiers spécialistes dans l'attaque spéculative. C'est ceux qui jouent le marché à la baisse. On s'en prend. Mais quand il y a crise, ils se mettent à travailler. Ce sont des spécialistes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te disent, bon, maintenant il y a crise, donc moi, le baril de pétrole, il est à 100. Je suis quasiment convaincu que dans 3 ou 4 ans, il sera à 90. Donc je le vends maintenant. Je prends les 100. Et après, je vais chercher pour le vendre dans 7 jours ou 8 jours. Et le délivrer à 100, bien sûr en bourse, il n'y a pas de livraison, mais on peut tous en parler. Du temps du professeur Alcidam, j'ai un compagnon chez le prophète qui me dit il y a des gens qui viennent me demander un marchand, et je la vends, ensuite je vais la chercher dans le marché pour le réduire. C'est la vente à découvert aujourd'hui. Donc ça, c'est interdit. Pourquoi? Ces gens-là, ils attaquent le marché à la baisse et ils gagnent avec le marché à la baisse. Pourquoi? Parce que si vous avez une crise, disons que la crise va faire 5%, c'est un excès d'offre par rapport à la demande. Ces gens-là vont venir. Ils vont augmenter leur offre en plus. Et là, ils disent que non, c'est pas ceux qui n'ont pas. Donc ils vendent des produits qu'ils vont aller chercher plus tard. Donc c'est une amplification de la crise à cause de la vente à découvert. Aujourd'hui, dans la bourse, l'une des composantes principales de la spéculation, c'est la vente à découvert. On vend des produits qui n'ont pas encore vu le jour, des affirmations qui n'ont pas encore vu le jour. Vous allez me dire pourquoi les gens vendent celui qui extrait le pétrole, pourquoi il doit donner un droit d'achat à quelqu'un pour acheter un produit dans un an. C'est simple, parce que lui, il veut être tranquille, il veut avoir des revenus réguliers, il veut savoir que chaque mois, il y aura des gens qui vont acheter son produit. Donc il dit, moi, je lui donne un droit d'achat.
à tel prix, comme ça, même si le prix augmente, vous aurez des pouvoirs d'achat à tel prix. Lui, il est tranquille, et les autres, ils font de l'argent. Le problème, c'est en cas de crise. Comme on le sait, le système capitaliste, il est construit sur des cycles. Il y a le cycle Pichy, 4 ans, le cycle Jula, 8 ans, 10 ans, et le cycle Kondratiev, 50 ans. Donc vous avez le grand cycle qui dure 50 ans, 25 ans de prospérité et 25 ans de crise. Dans les 25 ans de prospérité, il y a des petits cycles, Jula, et dans les petits cycles Jula, il y a des petits cycles Pichy. D'accord ? Donc c'est des petites crises, des moyennes crises, des grandes crises. Aujourd'hui, les économistes disent qu'on est à la fin d'un grand cycle Kondratiev. Alors, septième élément, l'interdiction de vente sans changement de propriété de lieu ou de décalage temporel. Ça aussi, ça met une barrière vraiment solide à la spéculation. On n'a pas le droit de vendre dans l'islam un bien avant de se l'être approprié physiquement. Donc aujourd'hui, vous avez en Moulin Bagha, l'entreprise qui fait soi-disant intermédiaire dans cette transaction qui est la plus controversée de l'économie islamique, elle achète la marchandise puis la vend. Le problème, c'est que elle vous fait signer le contrat, elle vous vend la marchandise avant qu'elle n'a même pas encore acheté. C'est ce qu'on est en train d'exposer en ce qu'elle fait de la vente à la. Donc, normalement, elle doit ça pour les gens qui disent que la vente est illicite, parce qu'il y a certains qui disent qu'elle est illicite. Et la manière avec laquelle la vente est pratiquée aujourd'hui est en majorité illicite. Donc, la banque, normalement, pour ceux qui disent qu'elle est illicite, qu'est-ce qu'elle doit faire? Il y a plusieurs conditions. Elle doit s'approprier le bien. Pourquoi? Parce que quand on s'approprie physiquement le bien, on supporte le risque qui est lié à la destruction du bien à l'instant T ou à la période T, entre le moment, même si le moment est très court, un jour ou deux jours, mais il peut arriver que le bien se détruise. Donc aujourd'hui, normalement, quand vous faites signer le contrat, elle vous dit bon, c'est pas grave, allez chercher directement le bien chez le fournisseur, qui est déjà dans la voiture ou la maison. La maison, pour le faire, c'est ce qui est la maison. C'est quand on vide la maison pour vous enlever pour vous rentrer dans la maison. C'est ça, puisque. Mais pour les biens physiques, il faut les déplacer. Alors, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il est interdit de vendre une marchandise avant de l'avoir pris en possession. Dans le deuxième hadith, si vous avez un champ derrière la plantation de kif et que vous avez de la vente islamique, vous lui dites moi je vais faire vos arrachats. C'est pas possible. Donc, c'est quoi la conséquence indirecte de ces éléments? C'est que ça entraîne un gain critique dans le monde des affaires. Pourquoi? Tout simplement parce que ce genre de projet ne trouvera plus. Il ne trouvera plus quelqu'un pour le financer. D'accord ? Donc le monde des affaires bénéficiera positivement, ce sera un externalité indirect positif pour les économistes qui connaissent ça, de la finance islamique. Pourquoi ? Parce que ça, c'est une règle fondamentale dans la finance islamique et dans dernier élément qu'on a exposé en première partie et qui permet de résister à la crise économique, c'est que dans un système financier islamique, la création monétaire ex nihilo est interdite. Vous n'avez pas le droit de créer de la monnaie sans l'adosser à un actif tangible. Moi j'ai été surpris, et surpris très positivement, quand j'ai appris que l'année dernière, la Malaisie a réintroduit la monnaie basée sur l'or et l'argent. Aucun pays dans le monde, depuis la fin des accords de Bretton Woods, 1944, c'est la convertibilité or. Donc toute personne qui avait un dollar pouvait le convertir en or. D'accord ? Donc dans le dollar, c'était écrit ça vaut une once d'or par exemple. D'accord ? La convertibilité a été enlevée. La convertibilité de la livre sterling, qui était la monnaie courante avant le dollar, puis du dollar, a été enlevée en 1973. Pourquoi ? Parce que vous comprenez bien, ça empêchait les banques de créer de la monnaie comme ils veulent et les États de faire tourner de la planche à billets comme il faut. Donc, depuis que la convertibilité a été abrogée, le dollar et la livre sterling ont
Donc ça, ça évite, comme on l'a dit en première partie, l'effet de massue. C'est un système qui n'est pas inflationniste par l'essence. De très nombreux économistes réputés, comme Ricardo, comme Varas, comme Rothbard, comme Von Hayek, prix Nobel de l'économie 74, comme Henri Simons, comme Erwin Fischer, le père de la théorie quantitative de la monnaie, comme Tobin, le père de la taxe Tobin, qui a été discuté par Laurent et par Sarkozy notamment, Maurice Allais, qui vient de décéder, prix Nobel de l'économie 1988, ils ont proposé des nouveaux systèmes pour réformer en dissociant la création monétaire de la distribution du crédit. Ces gens-là, ce sont des prix Nobel d'économie en général, parce que pour comprendre le lien entre la création monétaire et la crise, il faut aller voir dans l'économie. Et donc, c'est le fait qu'ils soient arrivés là, ils ont déduit que la création monétaire doit être séparée de l'octroi du crédit. Il faut que l'investissement s'ajuste mieux à l'épargne pour mettre fin à l'instabilité chronique des économies, pour éviter les cycles jugulaires, litigieux et contractuels dont on a parlé. La plupart d'entre eux se sont fondés sur le même principe. La monnaie en circulation doit être couverte à 100% par la monnaie de base. En islam, on va plus loin. La monnaie papier n'a pas de valeur intrinsèque. Elle doit être adossée à un métal précieux, or, argent, ou bien si le pays n'a pas de métal, à une denrée qui est disponible, comme par exemple le cuivre ou un métal précieux. La monnaie est adossée à un métal précieux pour permettre la stabilité de l'économie. Ça permet d'être moins exposé aux attaques financières internationales, comme les dévaluations de la monnaie. Et ça permet d'être plus indépendant. Donc, la Malaisie aujourd'hui, elle a fait quelque chose qui est un précédent, c'est-à-dire réintroduire la convertibilité hors de la monnaie, ou bien au moins introduire des monnaies frappées. Aujourd'hui, vous allez en Malaisie, excusez-moi, vous pouvez trouver des pièces qui sont frappées et qui sont de l'argent pur, qui valent à peu près 50 dirhams la pièce, ou là, de l'or pur, qui valent à peu près entre 500 et 5000 dirhams la pièce. C'est comme du 1500 euros. 1500 euros, c'est 5 dirhams. Pourquoi ne pas faire une pièce? C'est très courageux. Et ça nécessite beaucoup de sacrifices. Alors, parmi les limites de ce système financier islamique, c'est ce qu'on appelle dans le Coran l'hiyal. L'hiyal sont interdites dans l'islam. Il y a plusieurs hadiths parmi lesquels l'a'aqa al-yahoud hurimat alayhim ash-shaytan fajamaluha fabaa'uha wa akalu thamanaha wa inna Allaha idha harrama shay'an harrama thamanahu. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque quand vous faites un commentaire, vous allez trouver des transactions vraiment bizarres pour donner l'intérêt. C'est un peu comme la ça ressemble un petit peu à la voie. Ce sont trois personnes, donc il y en a un qui prête à l'autre. L'autre, il achète une marchandise, il vend la marchandise au troisième. Et donc le troisième rembourse le premier. Ça existait même chez les chrétiens, parce qu'il faut savoir que l'intérêt est interdit chez les juifs. Il était interdit chez les chrétiens de tout temps, il a été interdit chez les chrétiens jusqu'à 1830, quand l'Église, sous la pression de la bourgeoisie et après la réforme de Luther sur le protestantisme, a renoncer et à autoriser l'intérêt. En 1830, l'Église a autorisé l'intérêt. Dans le 15e siècle, s'exerçait chez les chrétiens la même chose que ce qu'on a eu chez nous. Ce qu'on appelle le contractum trinius, c'est en latin. C'est le contrat qui introduit trois personnes. D'accord ? Donc on introduit une troisième personne pour faire. Les contrats trinus sont trois contrats, chacun pris indépendamment. Il est licite, mais pourtant rassemblé, il met au contournement de l'intérêt. C'est comme dans le hadith la loi, le muhallil ou le muhallal. Le muhallil, c'est quand vous divorcez votre femme trois fois, vous n'avez plus le droit de l'épouser. Alors il y a des gens qui se précipitent et qui vont louer quelqu'un pour faire un mariage, pour une nuit et ensuite un mariage. Donc, le mariage d'El Mouhani est juridiquement fondé. Pourquoi? Parce qu'on a les quatre piliers du mariage. Donc, on a le Kaboul, les deux parties, on a le Wali pour la femme, on a le Mahr
des démons, les deux démons. Donc les quatre piliers sont là. Pourtant, mais oui. C'est comme dans une conférence, j'ai entendu un présentateur dire que si vous prenez le steak à Shekhina et le steak à Shekha, dans le papier, c'est la même chose. Ouais, d'accord. Donc, les Hila, c'est la fête de l'Église. Donc, on vise à contourner la télé. Par exemple, on voit la télé. Quand les conditions de la licéité de la Moulaha sont de l'ordre de 5. D'accord. Il faut que la banque prenne possession du bien, qu'elle le déplace physiquement, qu'elle fasse le contrat de vente après avoir acheté le bien, qu'il dise que la marchand ça va être produit, mais ça c'est un jour. Ces conditions ne sont pas réunies aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la banque, quand elle fait avec la Moulaha, elle vous dit qu'est-ce que vous voulez, vous lui dites je veux la Dacia Logan, tel modèle, telle option. Elle vous dit c'est bon, je vais faire le papier avec le vendeur, vous pourrez aller la récupérer chez le vendeur et vous venez me rembourser le bon. Les conditions ne sont pas réunies. Donc, on a aussi tout ça au Etinel. C'est un des contrats majeurs dans la finance islamique. Le chemin Fekri a conclu que l'Ijara Etinel est illicite en islam. Pourquoi? L'Ijara, c'est quoi? C'est la location. L'Etinel, c'est la fin et l'option d'achat. C'est comme le leasing. Le leasing est illicite d'abord parce que il y a des pénalités de retard, si vous avez du retard. Mais surtout, c'est que on fait deux ventes en une, donc on contourne la télé. L'intention, c'est de contourner la télé. C'est-à-dire qu'on fait une location, et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Le locataire déduit les versements d'allocation du prix de vente final. Donc en fait, ce n'est pas une location puis une vente, c'est une location-vente. C'est deux contrats en un. On a un contrat sur le sillon, un. Donc, quand on fait ça, on contourne la télé. Donc, le leasing, d'abord, il ne peut pas être ici, mais quand il est ici dans la finance islamique, on appelle l'Ijara Mertina. Le Meshma Al-Fedri, il a dit il faut séparer le contrat de vente et le contrat de location. C'est interdit de faire l'Ijara Mertina de contrat de vente. Pourquoi? Si je vous loue un objet, par exemple une voiture à 1000 dirhams ou à 2000 dirhams par mois, c'est ici. Donc je vous l'avoue. À la fin du contrat, après 3 ans par exemple, vous voulez l'acheter. Je vous l'avoue au prix du marché. C'est un contrat de location illicite. Le contrat de vente est illicite. Par contre, faire rentrer les versements dans le contrat de vente à la fin, c'est selon le management fédéré ce qui rend le contrat illicite. Déjà, c'est pertinent. Devant on a un house qui passe par la semaine Béatin et Fibéa, alors qu'il y a un tilef entre le Lama Béatin et Fibéa, Hachef et Béatin et Fibéa, c'est quand vous dites moi je vous vends telle maison à condition que vous vendez votre voiture. Ok, on fait le contrat. Donc une vente conditionnée par le livre. Simak ibn Hab, celui qui a rapporté le hadith de Ibn Abbas, qui l'a rapporté de la source de la Sallam, quand il a dit un house qui passe par la semaine Béatin, قالوا وما بيعت الجميع قال أن تقول نقدا كذا ونسيئة كذا وكذا donc qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une grande partie, il y a une partie de la main qui ont dit que c'est ici, mais une autre partie qui ont dit que c'est ici. C'est quoi? C'est quand le commerçant vous allez chez lui, vous dit bon, moi je vends telle marchandise, par exemple un article, si vous me les lâchez, 1 million de dirhams à crédit, 1 million de sous. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de la dette sur son crédit. Donc, soit il doit dire, moi je vends mes appartements à crédit, tout le temps à 1 million de sous, et là il n'y a pas de problème. Soit il dit, moi je m'en cache, et si vous voulez à crédit, il n'y a pas de problème, donnez-moi des garanties à gagner. Rien. Comme la souffrance de Natawan ou à Dero, moi on est derrière vous, dit, rien, c'est ici. D'accord, je vous fais un crédit, vous donnez rien. إذا تدين في الدين إلى أشياء السماء
Mais B a été B A, c'est un contournement. Il y a un autre dans ce cas, c'est un B et B. Je n'ai pas B et B. Vous voyez que nous avons les barres. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez déjà dans ces raisonnements, on voit que l'esprit islamique n'est pas. Parce que les gens qui réfléchissent comme ça, les commerçants qui réfléchissent comme ça, ils cherchent des moyens pour comprendre. Donc il n'y a pas l'esprit islamique. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, quand les Occidentaux parlent de finances islamiques, il est un peu vidé de sa substance, même si c'est mieux qu'ils continuent dans leur spéculation. Mais j'ai bien peur que le concept ne soit dévié et détourné et un petit peu marqué. N'oubliez pas qu'en Indonésie, qui est aujourd'hui le pays musulman le plus peuplé au monde, 250 millions d'habitants, comment l'islam est rentré? Donc, ce sont des gens qui étaient tellement éthiques, tellement justes,